Et les points apparatifs, vous savez, au point de 2400 mètres, pour terme, on a un propos sur les parties, il y a lieu assez régulière. C'est droit derrière pour l'avantage, on est venu à ses côtés, à comportement comme deux qui arrivent. On ferme la manche avec aussi le nouveau venu sur le volant de carrière. On se retrouve dans le paquet avec un concurrent comme Roi d'Aragon ainsi que Chef Sugar. C'est Wish and Will, ce numéro 5 qui va sur une victoire, qui prend l'initiative de prendre la tête. On se met en position, on retrouve un concurrent comme Lucky Harry, on ferme la marche avec un concurrent comme Coursi. On se retrouve en épaisseur, 4e pour épaisseur, avec un concurrent comme Chris Colomb. Pour passer devant les tribunes, encore un tour complet de piste à faire. C'est le 5 qui mène devant le 1. Côté corde, on a un concurrent comme Chef Chaudard, le dernier vainqueur du Grand Prix du Conseil Général. On ferme la marche avec Coursi. On a son heure avec le Pierreux qui est le numéro 4. Au moto des 1600 mètres, on va une allure régulière, mais sans plus, c'est toujours le numéro 5 qui a l'avantage. En seconde position, on retrouve Lucky Harry, qui est à la pointe du combat, le numéro 1, sur sa cheval de 63 kg. Chef Chaud dans les côtés cordes, à son extérieur, donc Chris Colon. Roi d'Aragon sur 5 position. On ferme la marche avec Le Pierreux ainsi que Coursi. Au retour des 1400 mètres, toujours le même en tête, Russian Will et Richard Nakel Lachman. En seconde position, on retrouve Lucky Harry. On retrouve également aussi l'autre concurrent de compagnon d'entraînement de Russian Will, c'est-à-dire Chef Shooter, le dernier vainqueur du Grand Prix du Conseil Général. Chris Coulon est en 4e position, on suit facilement avec Roi d'Aragon. On ferme toujours la marge avec un concurrent comme Lucky Harry. À 800 mètres de l'arrivée, les choses vont s'accélérer, mais c'est toujours le 5 qui a l'avantage suivi du 1. En 3e position, on retrouve Chef Chaudard, les deux chevaux de l'équipe Saint-Garin sont 1 et 3. On avance 2 coups maintenant avec le Thierry. Roi d'Aragon fait mouvement. On fait mouvement également aussi avec Chris Colon. À 600 mètres de l'arrivée, c'est toujours Russian Will qui a tête et corde. On vient maintenant aussi avec Roi d'Aragon qui est sollicité pour se choquer. En plein tournant, on fait la marche avec un concurrent comme le Thierry, on fait avec aussi. C'est très serré en plusieurs concurrents, mais c'est toujours Russian Will qui va très librement. On est sollicité avec Roi d'Aragon, on vient avec Lucky Harry. C'est Russian Will qui va sortir du tournant en tête. Mais sera attaqué par côté par avec son compagnon, notamment Chef Foudin. On vient également aussi avec Roi d'Aragon. Attention, mais du moto, c'est toujours Russian Will qui va sur deux victoires, qui va essayer de les faire de bout en bout. On vient avec aussi qui vient de plus en plus fort. En pleine piste, entre Russian Will, on vient également aussi avec Chef Chaudard, les deux chevaux de la Ligue 5 ans, sont 1-2. On va finir fois également aussi avec monsieur Russian Will qui a su de victoire devant Bordier, cette victoire, une très facile victoire. Et la deuxième place, on s'est apprécié la plus de concurrence, on peut rien que ce soit, pour ce qui n'importe. Donc, victoire de ce numéro 1.